tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Azubo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, tu faisais un rêve. On est arrivé ? Non, mais c'est plus très loin. Hé ! Ne regarde pas. Pourquoi ? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère, pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magister m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magister, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo, et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris! Ils nous bloquent le passage! J'avais jeté un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci.
Eh ben, let's go, on va débloquer du coup le bateau. On va juste regarder si sur le bateau il y a des choses à prendre, mais je ne crois pas. Eh ben, let's go alors. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Vous allez devoir nous rattraper ! Quoi ? Amicia ! Suis-nous ! On attendra plus en avant ! Allez, viens. Ouais, tranquille. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Sinon, on va périr ici, c'est pas grave. Ok, donc est-ce qu'il y a encore des choses à ramasser par là ? Non. Alors, let's go. Tous ces morts. Ils ne méritaient pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île... Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question c'est où. Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ? Ça m'est égal. Mais toi tu vas devoir choisir ton camp. C'est... C'est ma magistrat. Alors là y a rien, là y a rien, là y a rien. Là on peut pas aller plus loin. Ah si. Mais il n'y a rien. Ok. Bon alors essayez de trouver une plante là-dedans. Comme essayer de trouver, je sais pas moi. Un cheveu blanc dans une chevelure blonde. Un peu compliqué. Alors, il y a un coffre. Attends, est-ce qu'on peut aller par là ? Essayons par ici. C'est calme. Oh, c'est quoi ça ? Pas de panique. C'est juste un cerf qui brame, je pense. Oh, Seigneur. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf qu'eux font la cour, alors que nous, on essaye juste de survivre. C'est vrai. Repartons. Après toi. Ah ! Et donc du coup, on a débloqué un souvenir, le brame du cerf. Parfait ! Bon, alors, du coup, on a obtenu, pardon, un souvenir. Parfait. Maintenant, est-ce que c'est par là ? Ou est-ce qu'on est en train de revenir en arrière ? Là, non. Toujours des fragments, ça c'est cool. Ah, on est revenu en arrière. On est paumé. On est paumé. Va aller par là. Ah non, là. Attendez, on n'a pas vu. Par ici. Je me disais bien. La rivière est là. Mais voilà. Bon sang. C'est encore pire vu d'en haut. Cette odeur est insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hé hey, ils sont là-haut. Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non ! Que se passe-t-il ? Oh, pas les rats, déjà ! Ils sont déjà là ! Ils sont là,
sécurité, je crois. On a eu de la chance. Est-ce que ça va? Oui, ne t'inquiète pas. Elle va bien, Hugo. Ils vont bien tous les deux. Oui, mais il y a les rats. On sait quoi faire. On arrive. Alors, par où on commence? Il y a des brasiers de l'autre côté. On va en crafter plein du coup parce que... Mais donc jamais on aura la paix quoi. Cette okay. botte de foin devrait bien brûler. Mais elle brûlera vite. Ouais, elle va brûler très vite. Donc ça voudra dire Coco qu'il va falloir qu'on court. Allez, cours. Cours. On est encerclé. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage. Et celle-ci a une manivelle. On devrait tenter le coup. Alors, attendez. Chaque chose en son temps, là. D'abord, on va déjà ramasser ce qu'on peut ramasser. Hein, on s'excite pas, là. Et après, on va faire le truc de la grue. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. On l'amène jusqu'à l'escalier. Il ne reste pas en place. Il doit y avoir un contrepoids. Je m'occupe de la grue, toi utilise ta fronde. D'accord, j'irai de l'autre côté. Bonne chance. Ah super. Bon, vas-y, Lucas, Coco. À toi de jouer. D'accord. On essaye, hein. Tu abuses trop. Ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Attends. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Donc, en fait, je peux aller où? Ben, en fait, je pourrais aller que là. On va essayer, on va voir où ça mène. Oh, la paille ne suffira pas. Ok, d'accord, donc il faut que je prenne un A. Ouh, d'accord. Ok, je vois. Ok, donc la paille et un pot. Alors, on va bouger la paille vers lui et apparemment il peut l'allumer tout seul. C'est magnifique. Elle arrive. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout le monde pourrait s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi elle ressent ça. J'y suis. Allez, Coco. Allez, on peut continuer. Amicia ! Oui, on arrive, Hugo ! Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Attends, je vais l'utiliser et... Je vais suivre le chemin. Ok, on va faire ça. Alors, vas-y. Occupe-toi de ça, Lucas. Tout de suite. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Ah, attends, on va plutôt prendre ça. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Oh.
jusqu'à l'escalier, jusqu'à l'escalier, jusqu'à l'escalier. Ouh! Qu'est-ce que c'était? De la pyrite, un minéral. J'en ai trouvé un chemin. Eh bien, ça m'a sauvé la vie. Merci. Je m'attendais à des étincelles. Pas à ça. Il m'en faudra plus. Pensez à en ramasser d'autres. Et maintenant, à moi de te faire passer. Ouais, alors, wait, wait, wait. Donc j'imagine qu'il va faire le même procédé. Alors, donc il va falloir qu'on allume... Non, lui va allumer... Ok, attends, je vais se déplacer comme ça. Allez, go. Voilà. Bon, elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas. Rien de presse. J'ai pu en pas jusqu'ici. Donc ça veut dire que je lâche et que je vise... Allez, allez. Ici. Beau travail. Tu vois un moyen pour que je te rejoigne? Ouais. Alors attends, je vais déjà ramasser le coffre là. Ah, j'ai pas cette place. Ça fera l'affaire. Alors, je vais lui lancer. Oui. Et moi, je vais prendre, hein. Belle réception. Bon, à moi. Oh, Seigneur. Tu peux y arriver. Continue de courir. Oui, c'est juste des rats, hein? Je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Allez, allez, ya! Yeah! Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ah! Ouais. Il fait marrer. Tu cours plutôt vite. Merci. Une bonne motivation, c'est la clé. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre bonne bataille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. Ok. Et puis, il y a le coffre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enflammer. Je vais essayer de faire un aller-retour. Et là, il y a un établi. Il y a quelque chose qui s'illumine là. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, du coup, on a... Donc, je vais essayer de faire l'aller-retour, moi. Hein? Je vais essayer de faire l'aller-retour. Avec le coffre. C'est une histoire de challenge. Je tente. Maintenant. Allez. Ah, on a réussi. J'adore ton cri de guerre, en fait. Merci. Je vais aller là. Ça m'aide à prendre de l'élan, je crois. On est ouais, proche. Non mais t'étais pas obligé. Respire. De me suivre. Je sais. On va le refaire et on va courir vers là-bas. Allez, viens. Hop. Ok. Ah, pareil, il y a une échelle là. On va déjà crafter ça. Une échelle. Alors, petite échelle, où m'amènes-tu?
Ah! Était-ce là la suite? Tant qu'on monte, on est à l'abri. On est haut quand même. Ils nous attendent toujours. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah! Est-ce que c'est ça? Profitons de l'occasion pour les taper. Ça pourrait réconforter Hugo. Tu penses qu'ils nous entendront? Eh bien, tu peux crier assez fort quand tu veux. Ça dépend de ce qui essaye de me tuer. Alors, on y va ensemble? Oui. 1, 2, 3. Attends un peu. Amicia! Lucas! Il nous a vus. Allons-y. C'est absurde. Ah! On devrait jouer pour s'amuser. Maintenant, on joue pour ne pas qu'il s'effondre. Tant qu'on le laisse pas tomber. Jamais. Et on a obtenu un deuxième souvenir. C'est parfait. On essaie de trouver la petite plante aussi. Je pense pas qu'on... Non. Attendez voir. Hop. Ok. Bon, moi surtout, je suis pas allée vérifier plus bas s'il y avait des choses. Hein. Je suis montée directement à l'échelle. Ah, de toute façon, il faudra aller plus loin. Et il faudra qu'on redescende, pardon, parce que de toute façon, on peut pas aller plus loin. Ok. Bon, bah viens, on redescend. Ouais. Je pensais que c'était la suite de l'histoire. Allez, Coco, viens. Alors, je sens que je vais avoir besoin d'un bâton. Oh, la suite. Donc, j'imagine que ça va être par là, étant donné qu'il y a de la lumière par là. Alors, mon petit Lucas. On y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Baudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Voilà. Lâche, lâche. Je reprends un bâton au cas où. Alors... Ah non, je peux pas avoir de bâton. Ouli! Amicia! J'ai eu peur. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Ouais, attends. 30 secondes. Alors, cette petite chaîne qui nous bloque. Voyons ce qu'elle fait. C'est parti. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Non, ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Ah ouais, ah! Faut qu'on descende dessous. Non. Ok. Mette pas, Lucas, surtout. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien sûr. Alors ?
trouve un passage? Il y a un trou là. Je descends. Sois prudente. Allez, go! Est-ce que ça va? C'est immonde. Je vais bien. Il y a des morts partout. Oh, il y a des corps. Sors de là. Non. Ça va aller. Pardonnez-moi. Oh, il y a des visages. Oh, il y a des visages, il y a des visages. Dis-moi pas qu'il y a une fleur dans le coin, parce que sinon... Non, j'aimerais pas non plus. Que je le fasse. C'est bon. C'est fait. Essaye encore. Tu as réussi. Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être... Ah ouais. Oui. Je t'envoie le bac. Ah voilà. Ah c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde. Prête ? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Tu peux arrêter maintenant. Naturellement. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île, pas maintenant, Amicia. Très bien. Ok. Et pourquoi je vais pas sur le bateau, moi? Ah oui, à cause de la chaîne. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose? Je cherche. D'abord, je collecte. Il y a forcément quelque chose ici. Forcément quelque chose ici. Est-ce que ça brille dans le coin? Brille pas. À me tenter, hein. Non. Et si je suis la chaîne? Non plus. Pic, pic, pic. Il y a un coffre là. Ah, attends voir. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Mais non, je peux même pas grimper là-dessus. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Non plus. Alors attends, est-ce que peut-être là? Ah voilà. Ça pourrait marcher. Lucas, écarte. Suis la chaîne, Amicia. Amicia, non. T'es blessée? Qu'est-ce que? Non, ça va. Réponds. Ça va. J'ai juste failli me faire écraser. Comment elle va revenir? Bon, la chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arriver aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention! Sois prudente. Oui, oui.
Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Calme-toi. Concentre-toi. Ouais. Comment je fais pour passer, moi, c'est surtout ça. Est-ce que je peux aller dessous? Non plus. Ah, par là. Alors, je vais juste voir s'il y a un petit quelque chose par là. Il n'y a rien. Ah ! Et là, on a donc un autre coffre secret. Coffre secret numéro 3. Alors, on va tout ramasser. On va juste regarder. Voyons ce qu'on peut faire. Ce qu'on a. Alors, on a 5 outils. Et on a 162 fragments. Et donc, il nous manquerait éventuellement un outil. Et à peu près encore une vingtaine de fragments, hein, je pense. Attendez, 30 plus 60, ça fait 90. 90. Ouais, 175. Ouais, 180. 180. À peu près 180, je pense. Ok, donc on n'a pas encore assez. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. De toute façon, comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, on va tricher un peu pour faire les succès où il faut crafter le matériel. Est-ce que si je passe par là, j'arrive à accéder de l'autre côté? Parce que j'ai vu un coffre. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'on va bien trouver? Des outils et du soufre, c'est magnifique. Donc on a les 6 outils. On a les 6 outils et les fragments... Enfin, les fragments arrivent petit à petit. Alors, est-ce qu'on trouve cette plante, par contre? Donc là, on a vu qu'on n'avait rien. Là non plus. Je traverse ça. Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Tu es bouleversée. Et tu sais pourquoi. Lille. Tu verras ça plus tard. Reste concentrée. Ouais, s'il te plaît, reste concentrée, là. Attendez, est-ce qu'on a tout exploré avant que... Oui, hein. On peut pas aller plus loin. À moins que... Est-ce qu'on peut passer dessous? Non, on ne peut pas passer dessous. Donc, on va monter. Si j'arrive à monter, évidemment. Ah, il y a quelque chose qui brille là. Au revoir. Non, c'est moi? J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui brille.
Hmm? Je suis sûre de voir quelque chose qui brille. Attends. Pont-levis. Ah, attends, on va voir le pont-levis. Ouais, là, c'est bon, je le vois. Quick, quick. Donc j'ai un super pont-levis. Bah c'est de... Ah, on peut grimper par là. Alors, bougeons pas. Juste faire le tour encore une fois. Ok. Donc on va déjà monter là et ensuite on ira plus loin. Parti. Ça peut être... il nous manque une plante, en fait. Est-ce que c'est par là? Ah, c'est possible. Je le sens bien. Ah non. Alors, pas de plante. Ah si, elle est là. Salut toi, petite naufragée. Désolée, mais je vais avoir besoin de toi. Tout ce qui peut lui redonner le sourire. Ah bah c'est super. Finissons du coup, en. on a obtenu l'anémone. Trop bien. Donc, on a, je répète, les deux souvenirs, en très peu de temps, on a obtenu les deux souvenirs, un coffre et une fleur. On va redescendre. Et on va pousser le chariot de l'autre côté. On est doué. On est très très doué. Allez, go. Là, je ne peux pas aller. Lucas ! Où es-tu ? Mère ! Lucas n'est pas avec vous ? Non ! On l'a perdu de vue ! Comment ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Super ! Je peux pas le laisser 30 secondes, quoi. Ah, il y a un truc. Je devrais pouvoir revenir maintenant. Revenir vers où? Alors attends, attends, attends. Et là, il y a une manivelle. Oh, toujours trop haut. Il me faudrait encore un chariot. Allez, tu peux le faire. C'est rien qu'une autre épine dans le pied. Est-ce que c'est ça qui va monter? Parce que j'ai pas d'autre chariot, moi. Attends, 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 attends. Il me faut un autre chariot. Le chariot, il est là. Ok. Pour l'instant, je peux pas le faire passer. J'arrive. Et j'ai que ça. Alors, à mon avis... Ah, ouais. Ouais, parfait. Ok. Et on va pousser le chariot là.
Viens ici, j'ai besoin de toi. Je suis toujours aussi nulle en conduite de chariot. Ça devrait marcher. Il va falloir que je grimpe encore. Le chariot était de la bonne taille. Mais ouais. Allons-y. Bien. Trouver une île. Comment tu vas faire ça? Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. Ou pas. Allez, vas-y. Pousse, pousse, pousse. Pousse le chariot. Voilà. À l'aide. C'est pas vrai. Oh non, les hommes d'Arnaud. Ne le touchez pas. Tu vises et tu tires, c'est simple. Recharge avec la manivelle. D'accord. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne le touchez pas, sale chien. Je connais quelqu'un qui a... Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, j'ai visé Lucas, pardon. Lucas, est-ce que ça va? Je tremble comme une feuille. Je l'ai visé. Il y a trop de rats. Je ne peux pas vous rejoindre. Amicia, dégage-lui un passage. Comment? Fixe de lignifère sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il devrait continuer à brûler. Compris. Lucas, je te dirai quand la voie sera libre. Compris. Elle vise un morceau de bois, qu'elle a dit. Merci, ça ira. Je commence à voir un chemin. C'est bon, tu peux venir. Oui. Allez. Bravo, j'arrive. Il est parti dans les rats, lui. Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Vas-y. Essaie! Remontez la rivière! Encerclez-les! Vous leur avez fait quoi? Je me suis juste défendue! Tirez! Amicia, appelez-moi avec nous! Non! Quelqu'un doit couvrir Joseph! Ne sois pas stupide! Ils sont trop nombreux! Je sais ce que je fais, mais... Oh, vous occupez pas de moi! Alors là, moi je leur fous le feu, là-bas. Allez-y, aidez-moi.
Pardon ? Cette arbalète est faite pour toi. Non ! Oh non ! Que se passe-t-il ? Joseph est mort ! Ne sortez pas ! Protégez Hugo ! Ça pue là, ça pue là ! J'essaie de le tuer à la fin. Il reste encore combien ? Une flèche. Attends. Non, trop loin. Alors non, il faut que je change vraiment avec ça. Bon, j'essaye juste de... Tu dois tenir bon. Occupe-toi de lui. J'imagine que lui, je peux pas le tuer à... Yeah!
C'était le dernier. Maintenant, oui, libérez le bateau. Coupez les cordes. Libérez le bateau, coupez les cordes. Libérez le bateau, coupez les cordes. Quelle corde? Ah oui. Bon, je vais ramasser tout ce que je peux ramasser. Attends. C'était le dernier. Et les cordes, ouais, c'est par en haut. Attends, je vais juste faire le tour là. Ok. Alors, on va libérer les cordes. Alors, on y va. Par contre, le maniement de... Enfin, le changement d'arme entre l'un et l'autre, c'est vraiment pas pratique, hein. Purée. Ok, est-ce que je peux reculer? Mission-en, petite. Contre-toi, te ferai pas de mal. Promis. Je dois atteindre le bateau avant lui. Dépêche-toi de bouger. Tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. On les deux là. Là, y a rien. Hein. Ouais, il est là. Attends.
Si je le flingue par derrière. Et je fais tout. Plus. Tu vas voir si je joue. Amicia, non! Bougez pas ou je vous tue. Oh oh. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo! Regardez ça. Voilà tes renforts. Ouh. Eh bien. Mourir, hein? Non. J'ai failli. On n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? Oh non, pas Lucas quand même. J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Bon, ben voilà, on a fini là le chapitre 5 du coup. Je ne m'attendais pas à ce qu'on abandonne Lucas. Ça veut dire qu'on va finir peut-être l'aventure rien que Amicia et Hugo. Bon, bah qui sait, hein, parce que je découvre en même temps que vous. Mais bon, voilà. Allez, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, ou bien à me rejoindre sur Twitch. Je suis aussi sur Twitter si jamais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.